Non mais moi je pense que c'est beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup plus judicieux si on attend d'abord toutes les photos. Moi je pense qu'il nous faut des photos d'ambiance. Est-ce que les photos d'ambiance, on les recrée ici avec un petit peu de l'idée qu'on a d'avoir la bonne lumière, etc. Eric est le grand ordonnateur de tout l'entrepôt. C'est Paris, tout ça ? C'est Paris. C'est une théâtralisation, en fait. Le Ritz, c'était ça. Et tout d'un coup, de les voir dépossédés de leur lieu et tous entassés comme ça, ça devient presque une œuvre. Et justement, on a une photo de Chanel avec sa coiffeuse. Elle pose entre deux portes torchères. Ça, c'était les fauteuils qui allaient devant les canapés. Tout a été classé, rangé par nos équipes. Là où il y a maintenant les rideaux enveloppes bleues. Oui, probablement. On va rentrer un peu dans le secret d'une préparation d'une vente comme celle-ci. Le lieu est extraordinaire, on dirait un peu les hangars de Citizen Kane. Alors là, c'est toutes les coiffeuses au-dessus. Ah, et ça, c'est Hemingway. Cette vente qui s'annonce une vente fleuve, hein, puisqu'on a plusieurs milliers de lots que nous disperserons comme ça sur une semaine de vente. Et c'était drôle parce que c'est exactement un Paris qu'on n'a plus l'habitude de voir. Les gens étaient très habillés. Il y avait pendant la couture Anna Wintour, Franca Sozzani, des photographes qui passaient là, des acteurs. Et en même temps, on arrivait là-bas, on était un peu inquiets. Et puis tout d'un coup, on reconnaissait quelqu'un, on était super fiers de le rencontrer. Le nom évoque évidemment un palace parisien. C'est le luxe à la française. Ah là, c'est tous les lits. Ah ça, c'est cool. Ah ça, c'est joli. Vous avez vu, ils sont jolis, regardez les deux. Donc on a tout réuni par famille, des candélabres, des mini-bars du Ritz. Ils avaient un DA incroyable. C'est véritablement ça l'esprit du Ritz. Donc on montrera chez Arcurial, on va dire 10-15% de toutes ces pièces-là. Je crois que ce qui est amusant dans cette vente, c'est que c'est un mobilier qui est très facile. Il y avait une expression, ah je suis pas comme les Rothschild, ou ici c'est pas le Ritz. Ah, c'est ça en fait, c'est que oui c'est le Ritz. Moi, je me rappelle très bien dans Funny Face, ça commence tout de suite devant le Ritz et il dit « That is Paris ». Bonjour Paris, light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter. Et moi, je crois que c'est ça le Ritz, c'est l'hôtel mythique de Paris et c'est très très excitant de faire ce projet.